Le monsieur qui a le jardin juste ici vient de nous donner deux belles courgettes de son jardin. On met ça dans le panier à fruits. Et ben voilà, ce matin, il n'est pas trop tard, on a bien dormi. On vient de tout finir. À chaque fois, je refilme pas hein, quand on rattache les animaux, quand on range le camp. Je le referai de temps en temps quand même. Parce qu'il y a toujours des nouveaux et des nouvelles personnes qui s'abonnent à cette chaîne et du coup qui ont besoin de revoir un peu les manœuvres qu'on fait. Ben voilà, on a dormi ici, il n'y a pas eu de pluie, pas eu d'orage. Et on a bien dormi, je crois qu'on a dormi... On s'est couché avant minuit et on s'est endormi jusqu'à 10h, 10h30. Donc c'est plutôt une bonne nuit de sommeil. Après, comme je le disais dans les jours précédents, on sentait que ces derniers jours, on était bien éclatés. Donc l'étape d'aujourd'hui, elle va être assez courte. On a peu de kilomètres pour atteindre le Puy-en-Velay, la grosse ville de notre première énorme aventure, parce qu'on va jusqu'à Rome. Mais j'avoue que le premier objectif était d'atteindre le Puy-en-Velay, donc de faire Compostelle à l'envers. C'est aujourd'hui, on est parti de Conques, on va atteindre le Puy-en-Velay, le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65. Une fois là-bas, on a, grâce à un abonné, déjà trouvé un endroit où aller avec les ânes et la calèche. Parce que comprenez bien que quand on est dans la nature, dans le sauvage, on trouve facilement des spots pour passer la nuit. Mais quand on approche des grandes agglomérations, c'est toujours plus compliqué de trouver des jardins, des parcs, ou alors on doit être à l'extérieur de la ville. Mais là, nous, notre concept, c'est quand même d'aller dans la ville, dans le Puy-en-Velay. Et donc ça, c'est bien lorsqu'on trouve un point, un lieu d'accueil pour calèche, âne, chien et nous deux. C'est le cas grâce à un abonné, merci à Compostelle Aide. Du coup, c'est le camping tout simplement, le camping du Puy. On va, je pense, passer plusieurs jours se reposer et puis aussi célébrer tout simplement notre première victoire d'avoir atteint ce point. Donc je sais pas encore combien de temps on va rester et puis on va en profiter pour visiter le Puy-en-Velay. Allez, c'est parti, dernière ligne droite jusqu'au Puy-en-Velay. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grand et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait, peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Magnifique. Toujours sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à contresens. Alors quand je dis sur, vous comprenez bien, le chemin est ici, le GR65. C'est vraiment des sentiers de rando, la calèche n'y passe pas. Donc nous, on le longe, on est parallèle. Là, on est sur ce grand axe. Grand axe. Enfin, grand axe pour un randonneur, mais petit axe pour une voiture. Voilà, on le longe. Et on va arriver donc vraiment au Puy-en-Velay. Charlotte, on arrive aujourd'hui au Puy-en-Velay. Quel est ton bilan de cette première grosse étape, de cette première grosse aventure de Conques jusqu'ici? Qu'est-ce que tu retiens
ce que tu as aimé, moins aimé, point fort, bonne surprise et point négatif. Franchement, j'ai tout aimé. On va dire que ce que j'ai le moins aimé, c'est peut-être les grands axes, tu sais. Parce que bah, on a moins de choses à raconter, moins de choses à voir. Quand on est sur des petites routes comme ça, ici, c'est sympa parce qu'il n'y a pas trop de passages. Et je trouve bah, qu'on a déjà vécu tellement de choses en fait en 20 jours. On se dit 20 jours, mais quand on réfléchit, on a eu déjà... Bah, ce qui est génial, c'est qu'on a eu qu'un seul jour de pluie. Ouais. Vraiment une grosse pluie où je pense que ça, c'était bien qu'on ne l'ait qu'une fois. Ah oui, parce qu'on était trempés. On l'a eu pour tout le voyage. Tout le voyage, ouais, voilà. Point négatif, c'est... Je trouve que... Le sommeil, c'est un peu hasardeux. Des fois, on dort super bien et des fois, on dort mal. Alors que par exemple, dans mes randos d'avant, même si tu n'as pas un sommeil profond, c'est un sommeil qui est constant, qui est un peu toujours le même. Que là, je sens que ça dépend des endroits, quoi. Des fois, on a chaud, des fois, on a froid, des fois, on est serré, des fois, on ne l'est pas. Je trouve que c'est le sommeil, le facteur un peu différent de mes autres aventures. Pourtant, c'est étrange parce qu'en fait, quand on sommeille le soir dans la calèche, on se sent tellement protégé dans un petit cocon et comme dans un petit chalet, tu sais, une maison insolite. D'accord. Voilà. Merci. C'était long, hein. C'était long et chiant. Ma question n'était pas très vraiment intéressante non plus. Douce arrivée petit à petit sur le Puy-en-Velay. La première fois, j'y étais venu jeune pour partir d'ici pour faire un premier Saint-Jacques. La seconde fois, bah, c'était lors de mon second Saint-Jacques. La troisième fois, c'était pour faire Stevenson. Parce que le Puy-en-Velay, c'est aussi le départ de Stevenson. Alors, c'est pas le départ officiel, mais on peut le commencer d'ici, le Stevenson. Et aujourd'hui, c'est donc la quatrième fois que je viens au Puy-en-Velay. Moi, c'est la première. Toi, c'est la première. Il y a une fête médiévale ici, qui est en septembre, justement, il me semble. La fête du roi et l'oiseau, elle est trop bien. Toute la ville est à fond. Ouais. On s'arrête au feu rouge et au feu vert. On se disait avec Charlotte, vu qu'on est dans le pays de la lentille, au lieu de faire l'ampoule verte, ils auraient pu mettre une grosse lentille. Droite, droite. Elle nous filmait, elle a oublié de conduire. Oui, bah, comme la plupart des personnes qui nous voient jolly en fait. Jumper. Hein. Yeah, yeah, Mr. Negan. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir le prendre à contresens. C'est un sens unique. On va tenter de respecter la réglementation, même si on est au 19e siècle. Nous voici, les amis. Au Puy-en-Velay. Droite, joli jumper. On va se faire doubler. On n'est pas pressé. On n'a pas de travail comme vous autres. En même temps, on est dimanche, les mecs. Allez, gauche. Donc, vu qu'on n'a pas de clignotant, en fait, je sors mon bras comme ça pour dire qu'on va à gauche. Comme les vélos, ouais. Merde. Bon, bah, il attendra, c'est bon, il me laisse passer. Allez, droite maintenant. Voilà, nickel. Et la descente sur le puits en Velay, c'est bien passé, c'était que de la descente depuis ce matin. C'est bien, Babine. Gauche, gauche, gauche. Après, vu qu'on est dimanche, il n'y a pas grosse circulation. Donc là, on arrive évidemment par les tours de ville qui sont un peu plus urbanisées. Mais on va arriver quand même dans le cœur du village où l'esprit médiéval est un peu plus teinté dans la brique. Hein. C'est bon, c'est vert. Allez, Babine. Droite. Donc on est vraiment sur la circulation. On s'est dit que ça ferait plaisir à nos animaux d'être vraiment entouré de voitures et de motos. Parce que vraiment... On cherche à prendre soin d'eux, alors ils savent très bien que la nature, ils en ont un peu marre, ils ont envie un peu de béton, de respirer des pots d'échappement. Allez, on rentre dans la vieille rue. Allez! Thank you.
Alors, voici un petit panneau. On a fait apparemment 205 km depuis Conques. Saint-Jacques, on est à 1005. On va passer par cette petite ruelle. Donc là, on est vraiment en plein centre-ville. Donc là, il semblerait qu'on soit au vrai départ de Saint-Jacques, à l'angle de la pharmacie. Vous êtes du coin ? Ah bah d'ailleurs, c'est le nom de la rue, rue Saint-Jacques, oui. Bah tu vois, on est arrivé là par hasard, on n'a même pas fait exprès. Hein. Waouh, c'est magnifique. Je suis pas sûr que ça passe au bout, mais c'est joli en tout cas. Donc on s'est déjà fait un petit plaisir de traverser le Puy-le-Velay dans la petite rue médiévale. Par chance, on est dimanche, il n'y a pas trop de monde. Donc la circulation s'est bien passée. On a été accueillis par l'éternel fou du village. Tu sais, dans chaque ville, village, tu as toujours l'éternel qui vient de parler avec une dent sur deux. Bah, il est sympa, mais des fois, tu n'as pas envie de lui parler. Des fois, tu as envie de dire, attends, laisse-nous deux secondes, on est pressé là. Là, surtout qu'on cherche notre chemin. Enfin, Surtout qu'on est déjà stressé. Il y a des bagnoles, il y a tout le monde qui nous parle, nous prend en photo. Donc en plus, tu n'as pas envie qu'un mec te tienne la jambe pendant 10 heures. Pour te raconter, moi aussi, alors que j'avais 53 ans de moins, j'avais un âne que j'ai enculé. Du coup, non mais je me moque gentiment, mais c'est vrai que c'est un archétype. Dans chaque village, maintenant, t'as toujours le vieux fou qui sent la vinasse. Après, je me dis, les fous attirent les fous aussi. Hein. Ah. Je pense qu'on fait tout pour déclencher ce genre de réaction bien sûr, en réalité. Bien sûr. Nous nous rendons donc au petit camping de l'aiguille, je crois qu'on dit l'aiguille. Ouais. Et c'est beau, hein. Regardez cette chapelle perchée. Ah ouais, ça a l'air vraiment beau. Oh là là. Donc on arrive bientôt à notre destination. On va pouvoir reposer les animaux et nous visiter la ville. C'est surréaliste en fait. On s'en rend pas compte, mais les gars, ils étaient vraiment motivés à l'époque. Ils faisaient des choses. Puis c'est vraiment sur un piton rocheux. Peut-être tu vois encore la roche sortir de la bâtisse, tu vois ce que je veux dire? Ils ont épousé, ils ont fait les murs en épousant les rochers, quoi. C'est limite, on dirait qu'on est dans le jeu Zelda. Ouais, il y a un côté jeu vidéo, ouais. Tu dois grimper, tu dois aller escalader pour y arriver. On va dormir au pied de ça, en fait. C'est beau, hein. Et nous voici bien arrivés au camping. On est donc dans l'espace tente. Donc, toilette. On n'a jamais eu un truc aussi confort, là, je crois. Enfin, à part qu'on nous a invités chez les gens, comme chez Gérard, par exemple. Donc, toilette avec douche, lavabo, électricité. Camping, donc, pour les tentes. Là-bas, il y a pour les caravanes, mais ça ne nous concerne pas, parce que nous, on avait besoin d'un espace vert. Donc, on a tout ça de terrain pour les ânes. On a pu les attacher. Ils ont de l'herbe verte. Ils ont de l'eau et nous on est là pour passer une nuit ou deux, on verra. Et surtout regarder un peu la vue derrière le grillage, mais en fait on est vraiment au pied. On est vraiment au pied, donc c'est super beau. L'endroit est bien, il y a une bonne énergie. Et puis surtout, je sais pas, je connais pas tous les campings, mais je pense pas que ce soit tous les campings qui acceptent. Les babines et les chiens aussi. Un taïga qui est carrément en liberté, il n'y a plus rien. Bon bref, c'est cool. On a fait du coup au total 10 km aujourd'hui. 10 km, bon c'est pas grand chose, on les a fait assez vite.
mais on va prendre ce temps pour se poser, aller visiter la ville, bien manger et bien dormir. Alors ça, c'est Balthazar tout craché. Après avoir bu, il aime bien renverser son eau. S'il fait ça... Bref, moi j'ai trouvé des instruments de musique. Je suis content, ça c'est trop bien. Ça va aller, les clochettes. C'est trop beau ça pour décorer le fourgon. Il n'y a plus de mots, à chaque vidéo ça change de nom. Ouais, pour décorer le truc de gitan là. Et là les amis, bah là ça rigole plus là. À bière locale qui sort du frigo en atteste. On atteste cette suée. Et le monsieur de l'accueil hein, nous a donné une balle pour Touille. Elle est trop belle, elle sent tellement bon qu'on n'a pas envie de la... Touille, t'es gars, tiens. Voilà, c'est à peu près le... C'est à peu près, c'était son maximum de sport là, t'es gars. Mais par contre, elle a eu des biscuits. Elle a eu des gâteaux. Les gâteaux, elle a mangé. Bah, c'est comme tous les gros en fait. On aime manger, mais pas faire du sport. Hein. C'est ça, bon, ben voilà, on va boire. Allez. Dinga, nyonga, nyenga. Celle-là. Ce qui est bien, c'est qu'à peine on est arrivé, le monsieur derrière nous dans le camping-car est venu nous féliciter parce qu'il nous suit sur les réseaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Et comme dit mes amis youtubeurs, skol. Chez nous, on dit... À la tête, au cul et que ça glisse. Oh, aux escaliers, aux chevaux, aux femmes et à ceux qui les montent. Généralement, après, ça termine au jeu de la biscotte dans les vestiaires, quoi. Jeu de la biscotte ? Tu connais pas ? Non. C'est un truc du sud français, ça. D'accord. C'est tous ceux qui disent chocolatine, en fait. Ah. En fait, tu te brûles dans une biscotte et le dernier qui éjacule doit bouffer la biscotte. Ah, c'est un pays, c'est un... On a... Vous êtes un peu bizarre. On est rigolos à nous, hein. Ben, disons que dans les campagnes, c'est vrai qu'il y a ceux qui aiment bien le foot, mais t'as l'opposé, ceux qui aiment bien le rugby aussi. Et toi, t'es plutôt team quoi ? Ben, dans le sud, Toulouse, c'est plutôt rugby en vrai. Et toi ? Moi, perso ? Moi, c'est Final Fantasy, quoi. Moi, c'est les jeux vidéo, tout ça. Moi, c'est la Mazie. Moi, c'est Harry Potter. Si, parce qu'en fait, il voit son Patronus à un moment. Putain, mais comment je connais ça, moi ? Il voit un Patronus ouais, en forme de cerf. Parce qu'il faut savoir que tu ne les as jamais vus. Non, et qu'on a dit lus, qu'on moi. Les regarderait. Moi, je les ai lus, les Potter. Oui. Il voit son Patronus au bord d'un lac. Mais oui. Sauf que c'est le Patronus de son père. Oui. Sauf qu'en fait, c'est un cerf. Et je crois que c'est aussi le Patronus d'Harry Potter. Et en fait, la théorie, c'est que en fait, ce qu'il voit en face du lac, c'est pas son père, c'est lui-même. Oui, ça, c'est vrai, ça. C'est lui. Ah oui. Parce qu'il remonte dans le temps. Ah oui, donc en fait, il n'y a pas de théorie, quoi. En fait, tout va bien. En fait, c'est, en fait Harry Potter n'est pas mort. En fait, c'est. Il y a une personne qui vient de m'écrire sur Instagram pour me montrer que les hippo-sandales, ça existait à l'époque. Regardez ça, quoi. C'est génial. Donc ça, c'est vraiment... En fait, éventuellement, faudrait qu'on ait ça si on veut être histo. Oh, oh c'est classe. Hein. Après, je me demande si le fait que ça s'entoure autour du tibia comme ça... Non, regarde, chat. Ça peut pas un peu lui abîmer quand même, ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure de marcher, tu sais, ça commencerait à le blesser un peu quand même. Surtout que Balthazar, il est plus vite à blesser, je trouve, que Babine. Sinon, il y a elle, version plus médiévale. Ouais, avec des sangles en cuir, là. Ouais. Putain, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'est fou que ça existait d'époque, déjà, t'imagines. C'est clair, mais ça, je pense, tu devais avoir un cordonnier, c'est oui. Pas impossible, bah, tu vois. Comme on a créé le... Bah oui. Tu vois. On revient, Babine et Balti. Donc là, on vient de manger, on a pris notre temps. Donc le camping est cool, il me tarde d'aller prendre une bonne douche. Mais tant qu'il y a du soleil, on a décidé, avec Charlotte, d'aller visiter un peu la ville. On va essayer d'aller voir les bâtiments qui ont l'air extraordinaires. Ouais. On se prend une petite journée off, enfin demi-off parce qu'on filme et on monte quand même, mais on randonne plus trop aujourd'hui. À toute blabline. Regarde la Charlotte, la vue là. T'as, le camping a une vue, mais c'est surréaliste. Hein. Ouais. Je suis toujours là à me dire, mais c'est quand même surréaliste en fait. T'es, les gars, ils voient un rocher sorti du sol, ils se disent, allez go, chapelle là-haut. Le pire, c'est qu'ils écoutaient leur cœur, parce que ce rocher-là, le fait qu'il soit sorti à l'inverse d'une plaine, c'est parce qu'il y a une bonne énergie, tu vois, il y a quelque chose qui sort du sol. Ouais. Et eux, ils, comme une antenne, ils construisent au bout pour diffuser comme ça la prière de paix et d'amour.
ça commence à partir d'ici. Allez. C'est bien, Touille. Tu grimpes ? Thank you.
Estelle, dépose une prière là, dans le trou. Et chaque pèlerin qui arrive prend une prière avec lui et doit l'amener à Santiago. Et moi, j'avais déposé une prière lorsque j'avais fait Compostelle et j'en avais pris une avec moi que j'avais été amené à Santiago. Oui, bien sûr, mon grand, vas-y, prends une bougie. Qu'est-ce que ça coûte des bougies ? Je sais pas, mais serre-toi. Regarde par en bas, prends ce que tu veux. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et je suis en train de traverser la France à l'ancienne, tel un pionnier du 19e siècle, et je réponds à vos questions. La question du jour, c'est comment est-ce qu'on fait la nuit pour nos ânes? Est-ce qu'ils dorment avec nous, détachés, dans un enclos? Je vais vous montrer ça de plus près, suivez-moi. Alors il faut savoir que d'habitude, on dort dans le sauvage, vraiment en pleine nature. Donc nos priorités, c'est toujours de trouver de l'eau pour les animaux et de l'herbe pour les ânes, et idéalement un terrain plat pour nous. Mais exceptionnellement aujourd'hui, on est dans une ville, du coup dormir dans le sauvage c'est un peu compliqué parce qu'en plus c'est une ville où on voulait vraiment la traverser, on ne voulait pas s'arrêter aux alentours. Donc là exceptionnellement on est dans un camping. Du coup c'est un camping où ils acceptent les ânes, donc c'est aussi pour ça qu'on a privilégié ce camping. Et voici nos babines, donc là on vient d'aller visiter, bon là il fait la netteté sur l'arbre, mais c'est surtout la netteté sur les babines. Là on vient d'aller visiter la ville. Donc on a laissé les animaux ici, en fait c'est l'avantage du camping, c'est qu'on peut partir en sachant qu'ils sont sous surveillance. Bah alors Babine, je t'ai pas manqué? Plus heureuse de manger, on sait pas trop quoi d'ailleurs. Du coup, ben voici comment on fait. On a une longue corde, une très très longue corde, qu'on attache souvent à un piquet autour d'un arbre. Bref, on trouve toujours un point d'amarrage
C'est très rare qu'on n'en trouve pas. Et on a une seconde corde pour Balthazar. Donc ces cordes-là, ce sont des anciennes longes que j'utilisais à l'escalade. Donc pour grimper. Celle-là faisait 60 mètres, on l'a coupée en deux. Et au bout, j'ai mis un mousqueton. Et là, je sais très bien que vous vous posez la question s'il ne s'en mêle pas les pinceaux dedans. Eh ben non. Honnêtement, on n'a jamais eu de problème. Il ne s'en mêle pas les pinceaux. Le seul truc qu'il faut faire, c'est que quand on les attache quelque part, on essaye de faire en sorte qu'ils aient une circonférence, un large spectre, si vous voulez, où il n'y a pas de, par exemple, d'autres piquets où ils pourraient s'enrouler autour. Donc des fois, on n'a pas le choix, ça leur arrive de tourner autour d'un truc, on vient les détacher. Je crois que les chevaux ont tendance à plus facilement s'en mêler et se faire mal aux pieds que les ânes. Là, Balthazar est en train de faire sa petite crotte. Vous voyez, à la rigueur, le seul petit truc, c'est que des fois, ils marchent dessus. Donc ça, voilà, il croit qu'il est bloqué, mais en fait après il se rend compte que non. Donc voilà où on va dormir ce soir, donc c'est sûr que c'est pas du tout dans le sauvage, mais nous ça nous avantage, comme je disais, ça nous permet de faire une petite pause ici pendant un ou deux jours, avant de continuer direction Rome, Italie, et surtout de savoir que les animaux sont en sécurité le temps qu'on aille faire notre petite, nos petits trucs en ville, comme là par exemple on vient d'aller visiter une excellente chapelle, celle que vous avez vue au sommet du caillou en début de cette vidéo, c'est assez impressionnant. Bref, merci pour vos questions, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds dans la vidéo de demain, donc à demain. Donc là, ben, on a passé déjà une bonne partie de l'après-midi à visiter. C'est magnifique le Puy-en-Velay. Donc évidemment, j'ai un peu moins filmé, rappelez-vous, on essaie aussi de se prendre, quand on peut, une journée off, c'est-à-dire aussi bien sur la randonnée, pas trop marcher, mais aussi sur le montage et le vlog, donc pas trop filmer et pas trop faire de montage. Mais là, je viens voir mes ânes, éclairé par la lanterne. Ça va, Balthazar? Ils sont très sages. Ça va, Babine? On dirait qu'ils ont toujours été en camping. C'est assez fou, quoi. Et donc là, ben forcément, l'avantage d'un camping, ça a été la douche. Après, moi, j'aime bien dans les rivières, je vous cache pas. Mais bon, on va dire que c'est une douche chaude. Et du coup, qui dit prendre soin de soi, dit peaufiner les détails. Alors là, je peux monter là. La luminosité de ma lampe. Je vais profiter de cette douche pour me couper les ongles des pieds. Non pas qu'ils sont trop longs, mais je profite d'avoir pris une douche tiède. Et c'est sur ces belles images que je vais vous laisser. À demain. Au revoir les ânes. Oh, tu sais, moi sans mon café... Regarde, je vais lui faire la babine sur commande. Fais-moi la babine. Tu prends du fil invisible, tu le passes là et tu tires. T'es un amour. Quelle tête. Ah, je sais que je l'aime. Je le savais. Alors, en cette belle journée, on a d'abord eu plusieurs abonnés qui passent, parce que là, en fait, bah là, on est dans le camping, hein, et juste derrière, là, c'est un chemin de rando, de balade, enfin, les gens qui marchent. Donc, du coup, beaucoup d'abonnés qui marchent juste là, voient immédiatement la calèche et bah, les deux ânes qui sont ici. Du coup, forcément, c'est « Oh, bonjour Céleste, bonjour Céleste !» Alors, ce matin, on était encore en slip en train de boire le café, et il y avait un petit côté « On parle avec les abonnés derrière, quoi. » Derrière la grille. Aujourd'hui, on va se prendre une journée off. Donc ça, je vous avais un peu prévenu que, à l'inverse de mes autres randos, j'essaie des fois de faire des journées plus lentes parce que faire une vidéo par jour, c'est vraiment épuisant. En plus de la randonnée, en plus des hautes températures, en plus de s'occuper des animaux, bon bref. On en a profité pour lancer une machine à laver parce que laver nos fringues dans les rivières, ben, on adore ça et tout. Mais quand on a une machine, quand même, on essaie de récupérer un peu le blanc et puis les 2-3 taches ou 2-3 odeurs traînantes par-ci par-là. Donc là, il y a nos trucs qui tournent là-dedans. Dans le machine à laver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, on a aussi donc les abonnés, comme je disais, nous ont amené des petits cadeaux. Donc, on a eu plein de bières offertes par les abonnés qu'on boira ce soir. Vous voyez, c'est là. On boira tout ça ce soir. Et surtout, on a eu l'immense surprise, Charlotte et moi-même, d'avoir aujourd'hui des amis qui sont venus nous rendre visite. Alors, on ne savait pas, eux, ils savaient qu'on était là, mais nous, on ne savait pas que
ils allaient venir nous voir. Donc ils sont arrivés ce matin avec un petit pique-nique. Donc au final, on va passer la journée ensemble. Ils sont là-bas avec Charlotte. On va visiter la ville, ils connaissent pas trop le coin, ils sont venus exprès pour nous dire coucou. Donc voilà, ça va être une journée off avec des amis tout simplement. On laisse nos babines ici qui sont en train de dormir. Ça se passe super bien au camping. J'ai remarqué que depuis que Sindel est accompagnée de Balthazar, en fait, elle ne crie plus. Enfin, elle ne m'appelle pas dans mes autres vidéos quand on randonnait que tous les deux. Souvent, le matin, quand je traînais un peu au lit, elle se mettait à brère pour me dire « Allez, debout, gros tas !» Plus depuis qu'elle est avec Balthazar. Donc, les deux, je suis rassuré de les laisser ensemble. Donc, vous voyez, on leur met leur seau d'eau là-bas et on ramasse les crottes. Qu'est-ce qu'ils font, des petites crottes, des fois. On ramasse les crottes, bien évidemment. Donc, petite journée off. Moi je vais essayer d'aller en ville et idéalement trouver un barbier. J'aimerais bien essayer un barbier tant que je suis ici. Et après, vu que c'est la fête Saint-Charlotte aujourd'hui, je vais essayer de lui faire un petit cadeau et je crois déjà savoir quoi lui offrir. Et je vous remets bien sûr cette vue parce que je m'en remets toujours pas, c'est beaucoup trop beau. Donc si je résume, on a trois missions aujourd'hui, allez quatre. La première c'était faire une lessive, ça c'est bon. Deuxième mission, faire un cadeau pour la Sainte-Charlotte. Bonne fête Charlotte. Troisième mission, aller au barbier. Quatrième, trouver une créanciale. Oui. Et ça, je vous expliquerai plus tard. Pourquoi ça fait Ici, premier panneau au monde, interdit de faire l'apéro. Interdit de boire du vin, un rosé piscine. Interdit de boire, interdit de trouver le Graal. Je profite d'aller au centre-ville du Puy-en-Velay pour vous parler de mon bâton de marche. Parce que là, ces derniers temps, vu qu'on est souvent dans la calèche à tenir les guides, les rênes, à marcher soit à côté de la calèche, soit à être assis dedans, finalement, j'utilise un peu moins souvent le bâton de marche qui me manque. Pour moi, ça fait partie du costume et ça fait partie des obligations des randonneurs pèlerins. Alors, j'ai jamais aimé les bâtons de ski, là, de marcheurs. Pour moi, un bâton de marche, tu te le trouves pendant ta marche. Alors, ceux qui m'ont suivi sur mes aventures précédentes, moi, je fais la collection de bâtons chez moi. J'en ai mais plus de 200 à peu près, que dès l'instant que je trouve, même dans une simple balade dans la forêt un après-midi, si je trouve un bâton qui me plaît, je le ramène. Donc, j'ai différentes essences, j'ai différentes tailles, différents poids. Et j'ai pu voir un peu quels bâtons, au fil de mes randos, étaient les plus résistants, les plus légers, les plus rentables. Alors, par exemple, je vais vous le dire de suite, les bambous sont géniaux. Extrêmement léger et en même temps super solide. Et moi, c'est vraiment leur poids. Les bâtons de bambou, je les trouve excellents. Et après, il y a les noisetiers, les châtaigniers aussi, bien qu'un peu lourds. Et depuis l'année dernière, sur mon aventure Le Messager, j'ai tenté d'autres essences. Alors, j'avais commencé par un merisier et après, j'avais tenté le. C'était quoi ? C'était un saule. Le saule, vous m'avez vu le trouver dans mon aventure Le Messager. Donc le saule dans mon aventure Le Messager, je l'avais ramassé près de Toulouse au lac, comment il s'appelait ce lac, c'était donc un bâton de saule qui m'a tenu super longtemps, tellement longtemps qu'arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais été voir un cordonnier qui me fasse un manche en cuir, donc c'est ce que vous voyez là, et en fait ce bâton a fini par casser cet hiver. Je m'en suis reconstruit exactement le même avec cette fois-ci une branche du tilleul qu'il y avait chez moi en face de mon bunker sauvage, donc avec une branche de tilleul. Pour moi, un bâton de marche idéal s'arrête au niveau des hanches. Vous voyez, il va pas plus haut parce que c'est vraiment une canne comme un appui en fait. Le tilleul avait fini par casser aussi et donc j'avais parmi ma collection de bâtons, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, une fois j'avais rêvé, ce rêve était très puissant, j'avais rêvé que j'entendais une voix et la voix me disait il faut que tu te fasses un bâton de marche dans une branche de bouleau. A savoir que le bouleau, c'est mon arbre favori. C'est vraiment, j'ai toujours trouvé les bouleaux super beaux. Le seul problème des branches de bouleau, c'est que d'un, elles sont rarement droites, elles sont souvent toutes biscornues. Et de deux, une fois séchées, c'est assez fragile. Mais j'ai quand même pris celui-ci avant de partir. J'ai récupéré le truc en cuir de mes anciens bâtons. Donc c'est le même que vous aviez vu dans mes vidéos, que j'ai rafistolé au bout là pour le manche. Et pour le bout, là, tu mets simplement un clou à tête ronde, comme ça, quand tu marches, c'est le clou qui prend et ça use un peu moins le bâton. Donc voilà, je voulais vous parler de ces bâtons qui sont pour moi vraiment l'arme, l'appui,
le symbole du marcheur, du pèlerin, le bâton du magicien de Gandalf. Surtout celui-ci qui me tient à cœur parce que c'est dans un rêve que j'avais trouvé le... que j'avais eu l'idée d'aller me faire un bâton dans du bouleau. Donc la suite de ce rêve, c'est que je m'étais réveillé le lendemain et j'avais trouvé une forêt de bouleau et j'avais été me chercher mon bâton. Et donc je suis très content qu'il m'accompagne maintenant jusqu'à Rome. Et il me manquait là, il était rangé dans la calèche depuis plusieurs jours et il me tardait de vous le sortir pour vous le montrer. Dans la collection Jeux de mots des coiffeurs, nous avons affirmatif à rajouter à la grande collection de l'humour des barbiers. Donc on a réussi une des premières missions qui était la créanciale. On en a profité pour prendre une petite carte de Saint-Roch qui nous a pas mal aidé pendant notre première partie d'aventure. La créanciale, on l'a, il n'y a plus qu'à marquer la date, elle est déjà tamponnée parce qu'en gros le concept d'une créanciale c'est tu la tamponnes dans chaque ville, village, n'importe où, chaque bled où il y a un tampon, tu le fais. Ça montre que tu as vraiment parcouru le chemin et surtout en Italie, apparemment, il la demande fortement. Lorsque tu arrives à Rome, vraiment, c'est le truc qui permet après d'attester que tu as fait le pèlerinage. Donc moi, j'en avais un sur Saint-Jacques et là, on s'en est pris un pour tous les deux. Est-ce que c'est souvent dans les églises ? C'est dans les églises, c'est dans les mairies, c'est vraiment partout. Ça peut même être simplement des fois dans des gîtes où tu dors. En fait, il suffit de demander et quand ils y sont pas, tu peux même des fois simplement avoir un tampon de la mairie ou même quelqu'un qui te fait un dessin, ça peut être, c'est ça une créanciale. Okay. C'est le passeport du pèlerin, donc des fois c'est gratuit, des fois c'est payant. Là, ils suggèrent 5 euros, t'es pas obligé de les donner, mais bon, c'est... Et après, notre seconde mission, c'est la dentelle. J'ai bon espoir qu'il soit ouvert le magasin, parce que je vois que le mannequin est devant. Bonjour. Bonjour. C'est votre boutique ? Oui. Ah, je suis trop content que vous soyez ouvert. Je suis passé hier, c'était fermé, bon c'est normal, on était dimanche. Ah, vous êtes ouverte, mais vous On est passé tard, ouais. Voilà, oui. Je peux rentrer ? Donc la spécialité du Puy-en-Velay, c'est la dentelle. Et pour la fête de Charlotte, j'ai une idée de cadeau. Je ne vous cache pas qu'hier, j'ai eu un gros coup de cœur pour vos ombrelles, là. Alors du coup, je sais d'avance que je vous en prends une. J'ai noir. J'ai blanc, j'ai crème, j'ai vert, j'ai orange. Est-ce que c'est les mêmes motifs sur les deux ? Oui, tout à fait, oui. Vous pouvez les voir d'un côté de l'autre. Et voilà pour la fête de Charlotte. Ouais. Trop beau. C'est trop beau. Fait à la main. Par des petits chinois en Chine. Céleste, il est devenu une petite saucisse.
lui faire un bisou sur la bouche pour qu'il redevienne un vrai petit garçon. Est-ce qu'il sent la saucisse? Parce que souvent les petits chiens comme ça, ils sentent un peu la chipolata grillée. Non mais t'as pas remarqué ça? Alors, je vous explique un peu ce qui vient de se passer. Déjà, les amis de Charlotte lui ont ramené une nouvelle robe orange. Waouh, putain, je l'adore. Oh, c'est trop classe. J'adore, je suis fan. Moi aussi, j'adore. Et alors, je vous explique ce qui s'est passé tout à l'heure qui était assez improbable. On était en train de se balader dans le puits en Velay. Et je suis tombé, je vois quelqu'un dans mon champ de vision que j'avais l'impression de connaître. Et putain, il me dit un truc, celui-là, là. Puis je n'osais pas le déranger parce qu'ils étaient deux en train de prendre des photos. Et en fait, on passe l'un à côté de l'autre, on se regarde. Et d'un coup, il me dit t'es pas Céleste? Et moi, d'un coup, ça m'est revenu. Je fais putain, mais oui. En fait, on se suit mutuellement sur les réseaux. Donc, c'est un autre vidéaste. C'est un YouTuber aussi. Que je suis depuis super longtemps. Mais alors, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer que j'allais le rencontrer ici au Puy-en-Velay. Il s'appelle Syl Artichaut. Il est assez connu si vous traînez un peu sur YouTube et les réseaux francophones, du moins. Il a une chaîne YouTube qui parle de tout ce qui est mystère, contes, légendes. Mythes en France ou même ailleurs, et il fait partie des rares chaînes vraiment auxquelles je suis abonné et que je suis assidûment. Donc improbable qu'on se rencontre, et j'ignorais bien sûr qu'il me suivait également, donc on se suivait l'un et l'autre, mais on s'est jamais contacté. C'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu le contactes spécialement. Et là on s'est donné rendez-vous pour essayer d'aller boire un petit coup. Donc là avec Charlotte, on est revenu voir si les ânes manquaient de rien. Donc non, ils dormaient tranquillement, ils nous ont fait la fête en nous revoyant. On a récupéré notre linge propre et on va aller essayer de revoir Syl Artichaut et s'il est encore là dans le coin. Ça fait rire ce genre de plan où t'entends le mec derrière essouffler. Peut-être t'entends juste. Il essaie de faire un joli plan mais t'entends juste. Voici le vidéaste que j'ai rencontré par pur hasard ici au Puy-en-Velay. Salut. Salut. Céleste, enchanté. Ça faisait des années que moi je suivais tes vidéos, ouais. Et apparemment toi aussi. Exactement. Ah ouais, moi ça fait longtemps que je te suis. Je suis trop content de te voir. Donc pour ceux qui le connaissent pas, donc Sylar a une chaîne qui s'appelle Syl Artichaut. C'est ça. Je vous l'affiche ici et dans la description. Alors déjà. Vite fait, est-ce que tu peux nous parler vite fait de ta chaîne YouTube? Ouais, en une phrase, je raconte des histoires extraordinaires qui touchent à nos croyances. Et principalement, là, j'aime bien parler notamment de folklore français, de croyances françaises oubliées, de telle ou telle région, Bretagne, le Sud, peu importe quoi. Ouais. Donc moi, en effet, je l'avais découvert il y a plus de 10 ans, je crois. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Bah 10 ans, justement. Ouais, bah c'est ça, je t'avais vraiment suivi au tout début. Si je dis pas de bêtises, t'as fait un truc avec le Grand JD il y a pas longtemps, non? Oui, absolument. Ouais. Il y a 2-3 mois, ouais. Ah, c'est ça. Ouais, exact. On se suit mutuellement. Donc moi, je savais pas qu'il me suivait. Et lui, j'imagine qu'il savait pas non plus. Ouais, et on s'est vu tout à l'heure devant la cathédrale. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Eh bien, il se trouve que je fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'on est au Puy-en-Velay, qui est le départ, il me semble, historique du chemin. Et je fais une étape du Puy jusqu'à Conques. Principalement, normalement, pour les vacances, mais tu sais ce que c'est, j'aime partager la culture. Et le but, c'est de montrer qu'il y a des mystères également sur le chemin de Compostelle et des histoires extraordinaires à raconter. Et qu'on va essayer d'en parler à chaque fois tous les jours, tout en montrant, comme tu le fais, l'esprit voyage. Je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne, parce que moi je sais que je râle souvent sur mes vidéos en disant que je trouve qu'il y a très peu de bons youtubeurs. Il fait partie des rares, et là c'est pas du lèche-botte que je fais. Non mais c'est vraiment vrai, en plus je te suis rendu plus longtemps, c'était un membre de ma famille qui m'avait fait te découvrir. Et vraiment c'est dès l'instant qu'on s'intéresse à, je vais dire des mots génériques, mais tout ce qui est un peu ésotérique, légende, mythe, vieilles histoires, enfin il y a des trucs du... Il y a un côté patrimoine, mais en même temps, contes oubliés, c'est assez narratif, c'est très bien illustré aussi. J'adore tous ces trucs-là, parce que j'ai un taquet de livres là-dessus. Donc toi, tu pars demain, c'est ça? Je pars demain, c'est ça, ouais, c'est le départ. Et toi, c'est la grande étape, là, enfin, c'est votre... Ouais, nous, c'est notre première grosse pause, on va dire, et après, dès demain, on part en même temps, au final. Direction Rome pour ma part. Je trouve la symbolique assez belle, assez improbable. C'est, ouais, c'est littéralement improbable. Donc c'est assez beau. C'est assez beau, ouais. Et je pense que c'est ce genre de rencontre exceptionnelle, par exemple hasardeuse, qu'on peut faire sur le chemin, quoi. Exactement. Il y a mille histoires à raconter. C'est vrai. Et en tout cas, je te souhaite un bon chemin. Et vraiment, je suis très heureux de t'avoir rencontré, mec. Mais de même, Céleste. Plaisir partagé. Salut. Ciao.
On a parlé avec les abonnés, on a passé une petite soirée ensemble à se boire des coups et converser. Donc là, on rentre au camping et on se rend compte que toute la façade qui est en mode animation, c'est quand même quelque chose en fait. Alors je sais pas si ça rend en vidéo, mais en fait c'est toute une montagne qui est éclairée par des jeux de vidéoprojecteurs. Bon, ça rend pas, mais c'est bien dans la réalité, croyez-moi. Longtemps que je vous ai pas filmé dans la caravane, alors ben voilà, on dort à deux, plus exactement à trois. On a un toutou qui est là. Donc le soir quand on est au lit, c'est le moment où je fais du montage. Voyez, avec moi j'ai toujours mon petit bloc façon 19e pour recharger le téléphone, et puis on fait des montages et puis après on se couche. Voilà, chacun est sur son écran, on se décroche pas un mot, c'est le mec. C'est pas pourquoi d'un coup il y a un malaise dans le couple. Oui, mais d'ailleurs, les gens se posaient beaucoup de questions, si tu prenais la tête et tout. Et voilà, tous les soirs, chacun dans son lit. Et... on se prend pas la tête, on s'ignore. On peut pas se prendre la tête. Bon, perso, j'avais même pas vu qu'elle me suivait. C'est pour ça que j'ai appelé ça le pionnier. Sinon, j'aurais appelé ça les pionniers. Voire la pionnière même. Je suis en train de faire un malaise face au Alan Full Challenge, quoi. Ah, celui qui bouffe les tacos, là. Ouais. J'ai juste trop chaud, ou alors j'ai une coupe au gel, je sais pas, mais. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.